t'ai fait du thé en masse, ça va nous réchauffer. Tu parles d'un temps. Je suis sûre qu'elle viendra pas. Elle serait chez le voisin qu'elle en profiterait pour pas venir. J'étais sûre qu'il y aurait une tempête de neige ou bien quelque chose comme ça, c'est en plein son genre. Prends-tu du sucre, toi, je m'en souviens plus. Déjà? Il est à peine 5 heures. Veux-tu de la glace? T'es pas pour boire ce sec de même? Je suis sûre que le téléphone va sonner pour nous dire qu'elle vient pas. Penses-tu que je devrais y préparer une chambre ici? Il annonce la tempête du siècle. Je le savais, je peux jamais rien organiser qui soit pas contrarié, moi. Je vais aller me chercher de la glace. Laisse faire, faut que j'y aille. Eh, Seigneur, c'est pas mêlant. Chaque fois que j'entends ça, le cœur me serre. C'est pas humain. Bon, ça y est, ça recommence. Vraiment, il me semble qu'on aurait droit à un petit répit, nous autres aussi. Comment t'as trouvé aujourd'hui? Je l'ai pas vue. T'es pas montée? Non. Peux-tu y aller? Je vais t'appeler quand Judith va arriver. Si elle arrive, je suis sûre que le téléphone... Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? Ça me fait ça, elle! Je te gage que je suis allergique à cette maison-là. Ça sent la même affaire qu'il y a 15 ans. Ça pue toujours autant. Il y a même des toasts au bacon pour pas que tu te sentes perdue. La dernière fois, c'était à Paris. On a viré toute une brosse. Je m'en souviens, en tout cas. Brosse d'une semaine. On a ri. Mais ça. T'avais des problèmes. J'en ai encore. Il m'en reste quelques-uns avec. Es-tu partie, c'est une autre brosse? Oh, celle-là date de 3 ans. T'as pris de l'avance. Mais c'était pas elle, c'était Julie qui cherchait son Walkman. Il était à sa place, bien sûr. Judith, enfin! Mais c'est à peine croyable avec le temps qu'il fait en plus. Je disais justement à Joanne que tu pourrais jamais te rendre avec un temps pareil. Salut, Jacqueline. Sais-tu que t'as pas beaucoup changé en 10 ans? 13. Ah oui, tant que ça? Ben oui. 15 que je suis partie, puis 13 que je t'ai pas vue. C'est fou, hein? La vie passe, puis on s'en rend pas compte. Prendrais-tu un thé? Non, je vais prendre un scotch. Vous êtes pas pour boire, on a des choses à discuter. On le sait, on n'est pas venu ici pour avoir du fun. Ce serait bien criminel qu'on aille, hein, Jacqueline? Mais c'est pas ça, tu sais très bien, mais la situation est assez complexe comme ça. C'est pas facile. Tu te demandes à Joanne en 6 mois, là. Well, on peut-tu prendre un verre tranquille avant d'aborder les problèmes complexes? Ben oui, bien sûr. Assis-toi, voyons. Non, merci. J'ai mangé sur l'avion. Ah, t'as pris l'avion? Elle a pris l'avion? T'aurais dû nous dire, on serait allé te chercher, hein, Joanne? Elle a pris l'avion, avoir su. Où t'as mis tes bagages? À l'hôtel. Mais voyons donc, toi, t'es pas pour te payer l'hôtel quand on a une grande maison presque vide. Je vais t'installer une chambre. Jacqueline. Je suis à l'hôtel, mes bagages sont là, puis il n'y a pas question que j'en sorte pour venir ici. Oh, mais tu fais comme tu veux, hein. Moi, c'était pour toi, pour t'économiser cette facture-là. Hein, Joanne? Come on. C'est quoi? Ah, ben, c'est ça, là. C'est assez complexe. C'est de ça, justement, qu'on doit parler. C'est à ce propos-là. Bon. Les choses ont changé depuis ma dernière lettre, Judith. C'est pas facile d'être toute seule tout le temps pour prendre des décisions. Je voudrais pas que tu juges trop vite. Puis tu m'excuseras, Joanne, mais plus souvent qu'autrement, je me suis retrouvée toute seule pour tout régler. God damn, qu'est-ce que t'as tant réglé? Mais j'ai encore rien fait, j'ai pas signé, je voulais ton avis. Mais Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Ces moments, elle va mourir, Judith. Si t'as voyé, c'est effrayant. Un bébé, une petite fille de rien qui veut pas qu'on s'occupe d'elle, qui veut pas qu'on la touche, qu'on la lave.
Elle m'appelle même plus par mon nom. Elle me reconnaît pas. Elle pleure, puis deux minutes après, elle se fâche. Elle sait même plus où elle est. Elle sort pas des toilettes. Je suis obligée d'y apporter à manger là. Elle s'enferme là-dedans. Elle s'assit là. Au cas qu'elle s'échapperait sans savoir. Tu sais comment est-ce qu'elle est orgueilleuse? Ben, elle s'enferme là-dedans. Puis elle reste assise là tout le temps à flocher de temps en temps quand ça y passe par la tête qu'elle l'a peut-être faite. Elle a tout apporté ses affaires, ses livres, son chapelet, les photos, son linge. La toilette est bien trop petite. C'est épouvantable. Elle demande du 24 heures à cette heure, puis on peut plus la laisser, c'est trop dangereux. Moi, je reste tant que je peux, mais j'ai ma famille, mes enfants. Encore une chance que je reste en arrière, mais j'arrive plus pantoute, surtout avec l'autre à cette heure. Je dors presque plus, je suis rendue comme elle. Elle dort juste par petits bouts, puis on le sait juste parce qu'elle arrête de flocher pendant une heure ou deux. Mande à Joanne si tu me crois pas. Elle vient presque pas, mais docteur, elle le sait. Je suis pas son médecin, je suis sa fille. Tu pourrais l'aider plus, la soigner. Je peux rien faire d'autre que ce que tu fais. Mais tu pourrais le faire des fois, me donner une chance. Je fais ce que je peux, c'est tout. Je sais pas si tu traites tes malades comme tu traites elle, mais je voudrais pas avoir affaire à toi si j'avais besoin d'aide. T'auras pas affaire à moi, puis c'est tout. Mais c'est ta mère! C'est la mienne avec. Eh oui, c'est pour ça que je t'ai fait venir aussi. Je suis pas venue pour ça, puis tu le sais. Viens pour me dire que tu montres pas la voix. Ça fait assez longtemps, là. Tu pourrais au moins aller la voir. Elle va mourir, Judith. Après, il va être trop tard. Tu vas t'en vouloir. C'est épouvantable. Ça me surprendrait. Il y a juste Jacqueline ici qui est surprise. On a toujours su ce que c'était, cette maladie-là. On a toujours su où ça menait, ce que ça produisait. Jacqueline ne veut pas. Elle se bat contre la maladie comme si elle pouvait sauver ma mère. On peut l'aider, rendre sa fin moins dure. Moi, je suis épuisée. J'espère que tu t'attends pas que je m'installe ici. Ben non, je suis pas folle, mais au moins, t'es venue discuter, nous aider à prendre des décisions. Non, non, Jacqueline, je suis pas venue pour ça, puis tu le sais. Et ça fait longtemps que je te l'ai écrit de la mettre dans une place où on s'occuperait d'elle. Ça fait longtemps que je t'ai dit que tu pouvais prendre tout son argent pour qu'elle ait les meilleurs soins. C'est son argent, c'est sa maladie, c'est sa vie puis sa mort. Je la vivrai pas pour elle, certain. Il y a 4-5 ans, quand tu m'as écrit que t'as Alzheimer, c'est ça que je t'ai dit. C'est-tu vrai, ben c'est pas vrai? Ben oui, mais t'étais pas là, toi, à la voir vivre. Goddamn, Jacqueline, vas-tu finir par comprendre? T'es comme elle. Quand t'as quelque chose dans la tête, faut que tout le monde fasse comme t'as décidé, puis tu nous tuerais pour avoir ce que tu veux. Sauve-la, si tu peux. M'embarque-moi pas là-dedans. Ni moi, ni Micheline. As-tu compris? Ça peut pas être plus clair. Je t'ai pas souvent dérangée, que je sache. Tu t'es sauvée assez loin pour qu'on puisse pas t'atteindre facilement. Jacqueline, commence pas là-dessus, OK? On va essayer de rester polie pour une fois. C'est ça, prends pour elle. Jacqueline, si tu prends ce ton-là, on fera pas veiller. Bon. Vous pouvez prendre toutes les décisions toute seule aussi. Il y aura pas de discussion ni d'émotivité. Ça a bien l'air qu'il y a rien que moi qui a des sentiments ici. Pour elle, peut-être? Je te comprends pas, Judith. Je sais pas ce que t'as à y en vouloir autant. Elle t'a pas tué, c'est ta mère! What the hell would you know? Je viens demander qu'est-ce que tu penses. Je viens demander qu'est-ce que t'avais à y reprocher. Puis, ces explications t'ont fait du bien? Ça t'a permis de m'haïr en paix avec la bénédiction de ta mère? Fine. T'es injuste, Judith. T'es dure, puis injuste. Ça fait peut-être ton affaire de la traiter comme un monstre, mais c'est pas ce qu'elle est. Elle était prête à reconnaître bien des torts, mais t'as jamais daigné y faire un seul reproche. Pour une fille si sûre de ses positions, c'est pas très fair play. Bon, ça se pourrait-tu qu'on essaye de prendre une décision sans faire le procès de toutes nos vies, là, parce que moi, il va falloir que j'aille tantôt. Avec le temps qu'il fait puis les scotch que t'avales, il sera pas question que tu prennes le volant à soir. Aïe, c'est moi le docteur ici. Je suis pas encore Alzheimer. Occupe-toi de la mère puis laisse faire mon état. Ce coup-là, c'est Jean qui trouve plus l'heure sur sa montre. Chier des fois, elle. Joanne. Quoi? Comment elle va? Maman? Michou? Micheline, oui. C'est elle que t'es venue voir, hein? Bien sûr. Jacqueline m'a écrit en post-scriptum sa maudite grande lettre. Mich est à maison, supplément de travail, faudrait voir à ça. C'est pas
promets, là. Faudrait voir à ça. J'ai eu un frisson, puis j'ai pris le premier avion. Tu veux mon avis de sœur ou bien le docteur? Les deux. Docteur, c'est rien. La sœur, sans doute. Amnésie totale ou partielle. Aucune autre séquelle, à part une jambe raide, puis une main plus molle, puis encore, ça va partir en physio. Les tests donnent un bon quotient, une mémoire cognitive parfaite, une mémoire émotive à zéro. Ce qui veut dire qu'elle peut signer son nom si on lui dit comment elle s'appelle. Elle est polie, puis elle reconnaît personne. Ça peut revenir aujourd'hui, demain. Jamais. Ton pronostic? Jamais. C'est la sœur ou bien le docteur? Tu vas monter? Oui. 80% de chance qu'elle te reconnaisse pas, tu le sais, hein? Oui. À l'hôpital, le personnel m'a dit qu'il y avait les téléphones réguliers pour s'informer de son état. C'était toi? Bien sûr. Pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi t'es pas venu? Je sais pas. J'avais peur. J'arrive pas à croire qu'elle pourrait m'avoir oublié. Mais là, j'ai senti que Jacqueline allait régler bien des affaires. Elle s'en fait pour maman. Puis je m'en fais pour Micheline. T'en fais-tu pour quelqu'un, toi? Pour moi. Ça va bien. Chacun son lot. C'est quoi ton lot? Presque rien. Hervé veut divorcer. Bon, c'est réglé, tes petits problèmes avec la laveuse. Avez-vous faim? Il y a du poulet. Non, moi, je monte. Vas-tu la voir? Je suis venue pour ça, my dear. Elle s'en va voir, Mich. Elle s'en va pas aux toilettes, certain. Elle la reconnaîtra pas plus, je sais pas ce qu'elle s'imagine. Nerve-toi pas, Jacqueline, elle s'imagine rien. Et comme nous autres, c'est pas l'espoir qui a fait avancer. Et que je dis ça quand tu parles de même? Bonjour. Bonjour. Je suppose que je devrais vous reconnaître. Je m'excuse. C'est pas grave. Je savais que c'était pas possible. Vous me connaissez? Depuis longtemps. Le pire, c'est quand on voit bien qu'on devrait se souvenir. Quand on le voit dans la déception des autres. Ça doit être assez dur, c'est vrai. C'est vraiment l'impression d'être devant quelqu'un qui en sait plus long sur vous que vous-même. Des fois, c'est agréable. Des fois, ça l'est moins. À quoi ça ressemble quand c'est agréable? Prenons vous. Quand vous me regardez, j'ai l'impression d'être quelqu'un. Une personne entière. Une fille sympathique. C'est ce que je pense que t'es... que vous êtes. Celle en bas avec les... Lynn? Oui, Lynn. Elle, elle a l'air de savoir que je suis quelqu'un d'affreux. Une fille qui fait exprès de faire des problèmes. À propos, pas en tout que je me souviens pas. Je le sais à cause de sa façon de me regarder dans ce temps-là. C'est comment? Comme les médecins qui font des tests. Ils ont toutes l'air d'attendre quelque chose. Mais l'autre, Lynn, c'est pas un médecin? Non, non, c'est ma sœur. C'est ce qu'elle dit. Elle m'a montré des photos, ça doit être vrai. Je sais même pas ce que c'est supposé être une sœur. Voyez-vous, si c'est fou, vous pourriez me dire que vous êtes ma sœur, puis je le croirais tout de suite. Ah oui. Oui. Je dirais, elle, c'est possible. Ça se peut. L'autre... L'autre femme, ça y fait rien que je me souvienne pas. Quelle autre? Est-ce qu'elle est jeune ou vieille? Oh, la vieille, elle parle pas. Elle vient dans ma chambre la nuit. Elle vient se coucher. Elle parle à quelqu'un d'autre. Elle parle tout seule. Elle parle à Judith, ça n'a pas l'air d'être moi. À qui? À Judith.
Elle dit tout le temps ce nom-là. C'est drôle, hein, de se trouver devant des gens puis de pas savoir si on est supposé les aimer ou pas. La femme d'en bas, Lynn, me parle toujours comme si j'avais pas ma tête. L'autre, celle qui s'appelle Anne. Oui, Anne. Elle, elle dit rien. Elle vient de voir, pas dit rien. Non. Elle est inquiète. Mais c'est pas moi qui l'inquiète. Elle s'assoit sur mon lit, elle prend un verre, puis elle dit rien. C'est ma sœur, elle aussi. Lynn me l'a montré sur la photo. Il y avait combien de personnes sur la photo? 4. Moi, Lynn, Anne, puis une autre. À qui ressemble? Je sais pas, jamais vu cette femme-là. Anne dit que c'est la vieille qui vient ici la nuit. Lynn, elle, dit que c'est ma mère. Pensez-vous que c'est vraiment ma mère? Elle doit plus être la mère de personne. Non, c'est vrai. Elle peut même plus être sa propre mère. C'est quoi, être une mère? Take care. Tu le dis en anglais? Je dois savoir l'anglais. Tu peux-tu traduire? Take care. Je le sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Faudrait demander à... Non, non, demande à personne. Tu vas le trouver tout seul. Demande à personne sauf à toi. Pourquoi? Il y a sûrement quelqu'un qui le sait. Oui, mais il y a personne qui le sait mieux que toi. Mais ça m'avance pas tellement, ça. Mais oui. On sait que quand on dit mère, pour toi, ce qui vient en premier, c'est take care. Ça a l'air de vous faire plaisir. Oui. Certain que ça me fait plaisir. Ce qui me choque, c'est que vous, vous le savez où j'ai pris mon take care. Oui, c'est vrai. Je pense que je le sais. Mais pourquoi vous le dites pas d'abord? Non, mais hey, pour qui vous vous prenez? Vous venez ici, vous dites même pas votre nom, puis vous ramassez vos indices comme si c'était une partie de fun. Je suis tannée. Je suis tannée de pouvoir me regarder comme si j'étais un magasin à surprise. Allez-vous-en ailleurs, cherchez vos réponses. Je ne sais pas qui vous êtes, puis je m'en sacre. Take care, j'espère que ça veut dire va chier, OK? J'en ai pas de mère. Puis même si j'en ai une, je la reconnaîtrai pas. Fait que merci beaucoup pour la consultation, puis bonsoir. Excuse-moi, je te demande pardon. Oui. Allez-vous-en, avez-vous compris? Allez-vous-en avec vos souvenirs, puis vos connaissances, puis vos excuses. Je veux rien savoir. Sacrez votre camp! As-tu encore oublié qu'elle était pas toute seule au monde, elle? Oh, fuck. Où tu vas? Prendre l'air. On étouffe, c'est. Pas de scotch. Ça va faire, madame la princesse, t'es pas toute seule ici. Un peu de respect pour les autres, ça te vient. Pas de scotch pour un arbre de Noël. C'est beau Noël, familial en crise. Un beau Noël, tout blanc. Joyeux Noël. M'as-tu l'appeler pour savoir qu'il est pas là? Ou bien, m'ont me faire à croire qu'il est là en l'appelant pas. Non. Lui, il va m'appeler. C'est bon. Il m'a jamais appelé, puis c'est à soi qu'il appelle. Ouais, Hervé. Fais ça pour moi. Mettons que c'est ton cadeau de Noël. Laisse faire les perles, puis appelle. Si t'appelles, je t'essoule pour le reste de mes jours. Chris, je savais pas que tu tenais tant que ça. Chris, c'est nous, dis que je rappelle. Laisse faire, ça va être Hervé! Toi et ta crise de famille! J'ai dit que c'était pour qui?
Judith a sacré son camp, m'a fait pareil avec. Comment ça, Judith est partie? Elle est aussi bête pour m'avoir fait ça, elle. Elle est aussi bien. Maman? Maman? Je sais que vous êtes là. Voulez-vous m'ouvrir la porte? C'est juste pour une petite minute. Maman, soyez fine. Ne niaisez-moi pas. C'est Jacqueline. Elle veut savoir si maman est bien. Hmm? Maman? Seigneur. Juliette, ouvre la porte tout de suite. As-tu compris, là? Mais qu'est-ce que t'as fait encore? On mange pas ça. Je vais t'en donner du manger. Moi, c'est pas bon. C'est caca. C'est pas du manger, ça. Aide-toi donc un peu, là. Et Seigneur. Y a-tu quelqu'un qui pourrait venir m'aider? Joanne, maman a mangé du papier de toilette, là. Joanne! Ben non, maman, pleurez pas, voyons. Pleurez pas, ma petite maman, c'est pas grave. Je vais aller vous chercher de la soupe. Je vais vous aider à la manger, hmm? Merci beaucoup pour ton aide. T'as été très rapide, toujours aussi efficace. Voulez-vous en finir une fois pour toutes? Voulez-vous en finir puis que je vous aide? On ferait ça tranquillement, tous les deux. Puis après, la sainte. La sainte maudite paix. Oh oui! Allez, on se bat. Tu veux visiter les belles maisons qui pourrissent par en dedans. Party time! Le dire enfant! C'est pas du chevasse, mais on sera pas fossé, hein? Fais tempête. Laisse-moi te dire que le waiter le donnait pas. Ah oui, je trouvais que ça manquait d'hommes ici. Hein? Ça a toujours manqué d'hommes. Ah ouais, il y a le beau chépé. Rencontre donc Joanne, ma sœur. Joanne qui m'accote n'importe quand, c'est n'importe quel scotch. This is Roger. Ben ouais, Roger qui s'appelle. Il a pas choisi lui non plus. Bonjour, Joanne. Bonsoir. J'espère que je dérange pas. Ben non, tu vois bien que le party est pogné. C'est Noël. Ah, puis ça, c'est ma mère. On peut pas te la montrer, là, parce qu'elle est aux toilettes. C'est long d'habitude. Puis voilà le lunch avec Jacqueline, ma sœur Jacqueline. L'aînée, la plus vieille, la plus fiable, la plus responsable, puis la plus plate. Jacqueline, c'est Robert, un de nous. Roger! J'espère que je vous dérange pas. C'est Doudy qui m'a invité. Si je dérange, soyez bien à l'aise. Oh, tu vas voir qu'elle est à l'aise, all right. A l'air de rien de même, mais c'est un moyen foreman, my dear sister. Bon, let's sit and have a drink. On va essayer de savoir ce qui est arrivé à la petite dernière. Elle s'appelle Micheline. Il n'y a jamais personne qui a été capable de l'appeler de même, mais c'est son nom pareil. Scotch pour tout le monde. Je vais aller chercher le café. C'est ça. Vas-y donc. Je vais servir. Fais donc ça, mon beau. T'as des bras. Faut bien que ça serve. C'est qui ça, mes chiens, là?
Peux-tu m'essuyer, Joanne? Je suis bien plus sexy en souliers. Pas de souliers, là. J'ai l'air de pas avoir de cul comme l'autre. Ils sont dans l'entrée, t'as dû marcher dessus. Fight! Monsieur Roger. Je pense que je vais profiter de l'offre charmante que vous m'avez faite tout à l'heure et que je vais vous demander de partir. C'est une réunion de famille importante et c'est strictement privé. Je suis désolée que Judith ait cru bon de vous amener ici, mais elle est bouleversée par la maladie de notre mère. Fuck, fuck you, fuck la maladie de ma mère. C'est toi qui me rends malade. Puis le bossement reste ici. C'est mon chum. J'ai besoin d'un homme, moi. J'ai une femme. Pas de société d'État. On peut peut-être savoir une autre fois, hein? Ou bien plus tard. Wow! Je connais ça, les autres fois. J'en ai vu des beaux bras sortir de ma vie de même. Non, mon homme, tu t'assis, puis tu regardes. Ça va calmer les ardeurs de tout le monde. Bon, allez-vous vous asseoir, là? J'aimerais ça que ça prenne pas toute la nuit. Ouais, on a d'autres choses à faire de nos nuits, nous autres. Baisses-tu encore, Jacqueline? Ben, t'as réussi à convaincre Jean-Paul que la ménopause, c'était juste too bad pour le cul. C'est ça, vos histoires de famille. Ça, c'est celle de Judith. Ça se trouve très drôle. Mais c'est toujours dit que si tu baisais plus, ou bien mieux, tu serais moins plate. Tu sais, t'es pas obligé de pas avoir de fun. C'est pas marqué dans le livre. Regarde ta sœur Joanne. Elle a pas l'air d'une plotte. Elle a du fun. Qu'est-ce que tu fais pour moi, Judith? Ouais. Des fois, elle a du fun. Roger, je vais te faire une proposition. Tu pars avec Jacqueline, puis t'abaises, OK? Ça tourne pas. Moi, je dis pas non. C'est bon, il dit pas non. Saute dessus, Jacqueline. Faut que tu fasses ça une fois dans ta vie, puis t'assois. Oh, j'ai dit, ça commence à faire le délire. Change de sujet, ou bien va-t'en. Oh, c'est dommage. Vous, là! OK, OK, shut up. Organise-toi avec tes troupes. Je te prêterai pas mes amants tous les soirs. Ça se pourrait que je postule à un moment donné. Ben non! T'as marié Hervé parce qu'il avait un beau cul. C'est d'ailleurs tout ce qu'il y avait. On pourra en parler si vous voulez. Je suis intéressé. Quand tu dis qu'un gars est willing... Bon! Il est minuit et demi. Il est pas mal tard. Vous êtes pas mal avancés, tous les deux, pour discuter sérieusement. On fera ça demain matin. Non! Asseoir! Je remets mes pieds ici, moi. J'aimerais mieux asseoir. Moi, ça me dérange pas. Assieds-toi, Jacqueline. Puis dis-moi ce qui est arrivé à Micheline. On n'est pas pour revenir là-dessus. Oui, ou bête qu'on va en parler. Je suis pas venue ici pour savoir que ma mère est déménagée dans les toilettes. Essaye d'être discrète, veux-tu? Discrète, my ass! Je veux savoir comment Micheline a eu ça. On le sait pas, Judith. Elle, elle sait. La police l'a trouvé il y a 2 mois, à 3 h du matin, sur le bord de la route, renversé supposément par une voiture. Pas de sac à main, les côtes brisées, un bras cassé puis une jambe presque ouverte. On l'a trouvé, Joanne puis moi, en faisant des appels dans les hôpitaux le lendemain. C'est Jacqueline qui a fait les téléphones. Moi, j'étais pas encore inquiète. En tout cas, c'est ça. Depuis, elle se souvient de rien. Elle reste dans sa chambre, elle met tout le temps la même musique, elle dit pas un mot, bouge pas, elle bonnuit pas! Qui c'est qui était là quand t'es partie ce soir-là? Est-ce qu'elle allait demain? Ils n'ont jamais retrouvé le chauffeur. Ah oui, Sherlock Holmes. Let's go. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que maman puis Mich, c'est trop pour une seule personne. Hey, wait a minute. C'était quand? Comment un filet? Tu te prends vraiment pour la police? Quand tu l'avais vu? Mon Dieu, la veille, je pense, je sais pas. Tu le sais certain, c'est la veille. Ça te fendrait-tu de le dire? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce qui s'est passé? Ce que tu lui as dit? Comment est parti? Pourquoi? Je sais pas, moi, ce que je lui ai dit. On a dû parler de maman. C'était elle qui en était responsable, oublie pas ça. La pauvre. Si c'était trop pour elle, elle avait rien qu'à le dire. C'était trop, puis tu le savais bien. Maman devrait être à l'hôpital depuis 6 mois. Ta gueule, toi! Vous ferez pas ça certain jamais avant d'aller à l'hôpital. Rentrez-vous ça dans la tête. Jamais! Jacqueline maudit, tu le sais qu'il va falloir l'aider à respirer puis à manger. Ça, c'est un autre problème. Je veux savoir comment Micheline est partie ce soir-là. T'es ridicule. Moi, je veux qu'on règle le problème de... C'était quelle date? Le 10 octobre. Comment tu sais ça, toi? Je peux même te dire le temps qu'il faisait. Du vent, de la pluie, du tonnerre toute la nuit. Quand tu m'as appelé tout énervé pour me dire que Michou était pas rentré... Pourquoi t'as appelé si vite? Maman était seule!
T'as tout ce qu'elle avait à faire, la garder, elle était même pas capable de le faire. Tu l'as écœurée avec son incompétence. Qu'est-ce que t'en sais? Elle m'écrivait, ma soeur. Ah oui, tes lettres! Tes lettres de réconfort où tu passais ton temps à m'accuser de tous les péchés du monde? T'es élue? Fallait bien? Quand je te dis qu'on a tout essayé pour y faire retrouver la mémoire... T'avais pas besoin de lire toutes mes lettres pour ça? Ben, je les ai toutes lues, toutes. Pas loin de 200 lettres qui finissent toutes pareilles. Take care! T'étais pas là, par exemple, tu pouvais bien parler. C'est pas beau, ça. Y a-tu quelqu'un qui prendrait une sandwich avant que je les éclate? Fait qu'elle est partie toute seule, un soir d'orage, puis elle allait se faire renverser sur une route, puis elle a laissé maman toute seule. On dirait bien que oui. Ben, ça se peut pas. Elle était bien trop responsable pour ça. Écoute, on la payait pour qu'elle s'en occupe. Puis ça y pesait, c'était effrayant, les efforts que ça y demandait. Mon Dieu, je le fais bien, moi, maintenant! Toi, t'es une sainte, une martyre, c'est pas pareil. Elle, c'est juste un être humain. Elle fait pas si pitié que ça. Elle a un métier, elle a juste à l'exercer pas à gagner sa vie. C'est son choix. Mon petit, t'es plug. Le chômage aussi, c'est son choix, peut-être. Linaire! Jacqueline, sais-tu à 11h le lendemain que t'as vu qu'elle était partie? Tu me demandes ça, moi? Oui, toi, Jacqueline, l'aînée, c'est à toi qu'on parle, là. Je sais plus, c'est toi. Coudonc, c'est que t'as niaisé de même. Je te demande quand est-ce que t'as vu que Micheline n'était plus là. C'est pas compliqué, ça. À part de ça, je suis pas obligée de répondre à vos questions, moi. Comme si c'était de ma faute. J'ai rien fait, moi. J'ai fait ce que j'ai pu, puis c'est tout. Puis si ça fait pas, mais faites-le donc vous autres même. Voyons, Jacqueline, prends pas ça de même. Prends pas ça personnel, Jacqueline. Oui, là, si je ferme pas la gueule, je le détripe, c'est pas bien là. OK, j'ai rien, moi. Je prends un petit scotch, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu veux savoir, Judith? Dis-nous donc ce que tu cherches. On va peut-être t'aider à le trouver. Supposons, là, que Micheline en avait plein le casse. Je sais pas, moi, que moment pour elle, c'était trop. Puis supposons que, comme je la connais, elle était pas capable de le dire. Ça se peut-tu qu'elle soit amnésique? Parce qu'elle veut pas se souvenir. Ça, c'est-tu déjà vu, ça? Moi, j'ai toujours dit qu'elle simulait. Qu'elle faisait semblant de pas se souvenir pour être déchargée de maman. La même histoire que quand elle était petite, quand elle faisait semblant de pas avoir de souvenir de son enfance. Non, Jacqueline, j'ai pas dit simuler, j'ai dit amnésique. C'est pas sa volonté. Puis toi, là, recommence pas avec son enfance. Ça se peut, je pense. C'est bien tordu pour rien. Ça, elle pouvait pas. Elle avait rien qu'à le dire. Attends un peu, là. Veux-tu dire que t'as soupçonné de s'être fait écraser exprès? Ben non, je pensais pas ça, là. Je pensais comme si elle avait profité du choc. Certainement pas. On part pas de même un soir pour aller se tirer devant une auto juste parce qu'on veut plus soigner sa mère. Faut pas charrier. Autant qu'il faisait, c'est normal qu'un automobiliste l'ait pas vu. Bon, ça y est, tu t'en souviens. On s'en va-tu? Pis, c'était quand? Il s'était-tu passé quelque chose de spécial? Franchement, Judith, je trouve qu'on a assez perdu de temps avec ça. Appelle donc Jean-Paul, il va s'en souvenir. Il n'en est pas question, tu vis l'heure? Ben oui, appelle donc Jean-Paul, plus on est fou. Vous, là! Allez donc! Envoie ça! Je t'en sais plus! Envoie ça! Envoie donc! Bon. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Tu vas le savoir. À ce temps qu'il n'y a plus d'étrangers ici, je vais te le dire. Quand je suis arrivée ici, le soir du 10 octobre, il pleuvait, c'est vrai. Je suis venue pour rentrer par en arrière, comme d'habitude. Puis là, je l'ai vue. Elle fait ses dessus. Sur ma mère. Pas une tape, là, pas un geste d'impatience, elle fessait, elle abattait. Maman était à terre, elle essayait de se protéger, puis elle fessait, elle cognait dessus comme pour la tuer. Je suis rentrée en hurlant dans la cuisine, en hurlant. Là, je l'ai poignée, je l'ai tirée par les cheveux, puis moi avec, j'ai cogné. J'ai poussé contre le mur, puis j'ai cogné dessus autant que je pouvais. Puis là, j'ai ramassé maman, puis elle, je l'ai laissée là. C'est juste à 11h le lendemain que j'ai réalisé qu'elle n'était plus là. Jamais j'oublierai ça, jamais. Je sais vraiment pas ce qu'elle a pensé. Mais c'est bien mieux pour elle d'avoir oublié, parce que je sais vraiment pas comment elle pourrait se pardonner ça. Mais c'est trop dur aussi, je te l'avais dit. C'est trop dur s'occuper d'elle seule. C'est pas capable qu'elle fasse pas. On peut s'arranger autrement.
Ce que je pardonne pas, c'est d'avoir attendu d'en arriver là. Qu'est-ce qui me dit qu'elle la battait pas avant? As-tu pensé dans quel état elle devait être pour faire ça? Non, j'ai pensé à maman. Maman pouvait pas le dire, elle, mais ça pouvait. C'est maman qu'il faut protéger. Non, rendu là, je pense que c'est tout le monde. Micheline ne peut pas rester ici. C'est exactement ce que je pense. On est d'accord. J'ai fait préparer un papier ici. J'ai pas fini de dire ce que j'avais à dire. C'est quoi ça encore, là? Tu m'as jamais parlé de papier? Bon, écoutez. On s'entend là-dessus. Mich peut pas rester ici dans la même maison que maman. Son état mental est pas assez bon pour prendre ce risque-là. En conséquence, nous trois, seuls autres membres sains d'esprit de sa famille, la plaçons dans une clinique où elle recevra tous les soins et traitements nécessaires à sa guérison. Nous autorisons tous les traitements que les médecins traitants jugeront pertinents. C'est ça, on a juste à signer ici en bas, toutes les trois. C'est le docteur Tanguay qui a suggéré ça. Il dit que c'est mieux pour elle, puis je le crois aussi. Il n'y en est pas question. Micheline s'en vient à New York avec moi. J'ai son billet d'avion, puis il n'y a jamais des questions que je parte d'ici sans elle. Je ne ferai pas ça ni l'une ni l'autre. On ne l'enfermera pas, elle n'ira pas à New York non plus. Elle n'a aucune chance de se retrouver à New York. Ah non, ce serait mieux de la bourrer de pilules puis d'électrochocs, peut-être. De l'enfermer avec des fous, alors qu'elle a perdu la mémoire pour oublier qu'elle vivait avec une folle. Maman, pas folle! Qu'est-ce que ça te prend? Elle est assise dans les toilettes, pas de son chapelet en flochant. Puis tu trouves que Micheline est folle. C'est une maladie. Elle est pas folle. C'est une pitié de la voir ses toilettes. On n'est vraiment pas en état de prendre des décisions, c'est même. C'est décidé. Je pars avec elle. Je voudrais savoir si j'apporte juste ce qui est à moi. Je voudrais être sûre que je vole rien. Es-tu folle, toi? Hey, folle, tu vas remonter dans ta chambre, tu vas attendre qu'on t'appelle. Micheline, voyons, tu peux pas partir toute seule. Tu vas venir avec moi. On va partir ensemble, OK? Voyons, Michou, t'es mêlée, là. Il est 1h du matin. Tu peux pas partir de même. Ça, c'est-tu à moi? Ça, je peux-tu le prendre? Micheline, attends. Attends un petit peu. Tu sais que tu penses que tu vas aller de même? Allez-vous me répondre? Allez-vous me dire si c'est à moi, ces affaires-là? Ben oui, ma belle, c'est à toi. À cette heure, tu peux aller te crisser dans la tempête pour te faire renverser par un char puis retrouver ta mémoire. Moi, j'abandonne. Je vous laisse régler ça, les filles. Non, ça va faire, Joanne. On est trois à parler. On va parler toutes les trois. Oublie pas que t'es médecin. On va partir ensemble. Mais il faut attendre un petit peu. Il fait tempête. Judith, vous appelez Judith. Je vous connais pas. Pourquoi je partirai avec vous? On s'est parlé tantôt. Je suis fait presque pour qu'ils disent comme toi. Maman, on n'a plus pour 6 mois, comprends-tu ça? La soigne bien peut faire 1 an, peut-être plus. Jacqueline, maudit, vas-tu arrêter de t'acharner sur elle? T'en as plus de maman. Laisse-la donc mourir en paix. Mais pas de quoi tu parles. Tu n'as jamais. Mais... Bon, v'là, grand amour! Organise-toi là en aide d'abord! Voulez-vous arrêter de crier? Bon. Moi, je m'en vais. Voulez-vous m'amener avec vous? Hein? T'emmener où? M'emmener dehors, jusqu'au terminus. Ou bien chez vous. Tu vas venir avec moi, Micheline. On va prendre l'avion ensemble demain. Non, touchez pas à mes affaires. Je vous connais pas. Je veux pas partir avec vous. Mais elle non plus, t'as connais pas. De toute façon, je peux pas t'emmener. Tu vas venir avec moi, Micheline. Je veux pas, lâchez ça. Je veux pas partir avec vous. Ni avec elle. Je veux faire ma vie. Laissez-moi tranquille. Oh, c'est correct, mais chénève-toi pas de même. Judith t'offrait gentiment de s'occuper de toi. J'ai pas 3 ans, j'en ai 30. Vous me l'avez dit. Je veux m'en aller, on étouffe ici. Je peux pas t'amener, Michou, j'ai pas de place pour toi. Franchement, t'as une grande maison, t'as même pas d'enfant. Oui, mais toi, tes maudites affaires, il n'a une grande maison, petite. On va mettre maman à l'hôpital, puis Michou va rester toi, là, ici. Toi, là, si encore une fois qu'on met maman à l'hôpital, je pense que je te tue. C'est elle qu'il faut tuer, c'est pas moi. Ah, tu devrais l'achever toi-même. Tais-toi, maudite folle, dis pas ça. Voyons, Jacqueline, Micheline! Oh, vite, Joanne, vite! Micheline est partie! Rentre, je vais y aller, moi! Pourvu qu'elle soit pas loin. Pourvu qu'il n'y arrive rien.
Ça commence à faire longtemps, là. On devrait peut-être appeler la police. Non, on va attendre que Joanne appelle. Elle était pas mal saoule. Elle était pas la seule. Je le sais, Jacqueline, je le sais. Oh, je le dis pas pour t'accuser. Penses-tu? Je suis trop fatiguée pour me battre, Judith. Tellement faible que les trois quarts du temps, je la trouve couchée sur le tapis de bain. Je sais, Judith, que tu l'aimes pas. Je sais que t'es partie d'ici à cause d'elle. Je sais que c'est une femme volontaire qui a pas toujours été juste. Je sais tout ça. Mais moi, je l'aime. J'ai beau chercher, j'ai rien à y reprocher. C'est ma mère. Puis maintenant, quand je la vois de même, j'ai envie de la prendre dans mes bras. La protéger contre la déchéance, l'humiliation. Tu sais, il y a eu tout un temps où elle a arrêté de manger pour pas risquer d'avoir des restants sur le menton. Après, quand c'est moi qui la faisais manger, elle m'accusait de mal le faire quand elle voyait sa chemise. Puis moi, je disais oui, je disais que c'était de ma faute, puis elle m'en voulait. Parce qu'elle savait, que je la protégeais. Elle voulait pas me voir. Il y avait juste Mich pour elle. C'est pour ça que c'est Mich qui s'en est occupé. C'est niaiseux, hein? J'y aurais tout passé, moi. J'aurais fait tout ce qu'elle voulait, puis elle voulait pas de moi. Comme si j'avais pu être sa fille. Ça m'a fait... C'est trop compliqué à expliquer. J'aimerais ça qu'elle me reconnaisse avant de mourir. J'aimerais ça qu'elle dise mon nom. C'est niaiseux. Ah, puis sa tête, je sais bien, mais c'est ma mère. Même diminuée, même comme ça, c'est ma mère. Je peux pas imaginer qu'elle meure. Je voudrais qu'elle t'offre encore un peu. Juste encore un peu, le temps que je m'y fasse. On s'y fait pas, Jacqueline. Tant qu'elle sera pas morte, tu t'y feras pas. C'est facile à dire pour toi, tu l'aimes pas, toi. Quand est-ce que tu vas apprendre que tout se mesure pas à l'amour qu'on a ou bien qu'on n'a pas? Quand est-ce que tu vas apprendre ça, Jacqueline? Je comprends pas ce que tu veux dire. Oh oui, tu comprends. Pour toi, il y a des réponses. Des bonnes puis des mauvaises. Pourquoi la maladie de maman t'apprend rien? Tu vois pas que des fois, il n'y a pas de réponse. Puis que l'amour, c'est pas assez. C'est pas tout. Il y en a qui en ont moins besoin que d'autres. Il y en a qui le font moins voir. Oh, ça sert à rien de parler. T'as jamais eu besoin de rien, toi, Judith. Tu peux pas savoir c'est quoi. T'es partie à 25 ans, tu t'es mariée en Europe avec on sait pas qui. Deux mois après, on sait pas pourquoi, c'était fini avec ce gars-là. T'es repartie, t'es jamais revenue. Tu sais pas c'est quoi aimer quelqu'un, s'attacher. Tu sais pas c'est quoi en avoir besoin. Tu t'es jamais inquiétée de savoir ce que ça avait pu faire à maman que tu partes de même? Ça m'intéresse pas. Maman m'intéresse pas. Toi, t'es pas capable de penser qu'elle va mourir, ben pour moi, elle est morte. Elle est morte depuis un maudit bout de temps. Pourquoi tu y en veux tant? Tu comprends pas. J'y en veux pas, elle est morte. Finie, disparue, puis là. Je me suis payée une petite amnésie, moi, avec. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi? Dis-moi-le! Quand même, je trouverais le pire événement imaginable. Ce sera jamais assez pour toi, Jacqueline.
tu vas toujours essayer de m'expliquer pourquoi elle a fait ça. Anyway, ça m'intéresse pas de savoir c'est à qui la faute. Y a rien qu'une affaire qui m'intéresse, Jacqueline. C'est vivre. Vivre le mieux possible. Le plus fort possible. Sans perdre mon temps à réparer ce qui n'est pas réparable. La seule façon de vivre, c'est de laisser les morts avec les morts. Peut-être, mais maman n'est pas encore morte. Pas pour toi, non, ça avait l'air d'être ton problème. Tu me méprises, hein? On jouera pas à ça, Jacqueline. Pas à soi. Penses-tu que je le sais pas? Quand tu dis que toi, ce que tu fais, c'est vivre, penses-tu que je sais pas ce que tu penses de moi? De mon mari? De ma famille? Qu'est-ce que tu veux? Que je te dise que t'es parfaite, que t'as fait ce que t'avais à faire, que l'échec, c'est moi? Je te laisserai pas juger de ma vie, certain. Arrête donc de te sentir coupable. C'était bien de même, vie de même, puis c'est tout. Mais enferme pas ma sœur parce qu'elle fit pas dans ton décor. Elle veut pas plus s'en aller avec toi, tu l'as bien vu. Oui. Je l'ai vu, Jacqueline. Tu peux être contente. Micheline m'a clairement montré qu'elle voulait rien savoir de moi. Si au moins ça pouvait te servir à comprendre ce que maman a pu ressentir quand t'es partie sans vouloir y parler. Toi, en tout cas, il y a des affaires que t'as pas l'air de vouloir comprendre. Lâche, OK? Si t'es partie de New York avec un billet d'avion pour ta sœur que t'as pas vue depuis des années, me semble que ça veut dire que tu dois bien être capable d'aimer, non? Fais attention, Jacqueline, je trouve que t'exagères. Je te demande pas grand-chose. Je te demande de monter en haut, de la prendre dans tes bras, d'y dire que t'es venue la voir. Je te demande d'y donner ça à elle. T'es complètement folle. Qu'est-ce qu'il y a de fou à aller embrasser sa mère avant qu'elle meure? Qu'est-ce qu'il y a de fou à te demander de faire ça pour l'amour? Elle va mourir, je veux dire. Tu pourrais peut-être y pardonner. Un peu d'indulgence, pas pour moi, pour elle. Ça se peut-tu que tu pardonnes une fois dans ta vie? Qu'est-ce que t'en sais, hein? De quoi tu parles? Du haut de ta bonne conscience? Qu'est-ce que tu sais de ma vie? L'indulgence? Fuck! Tu peux bien parler d'indulgence, toi. Puis tu dis que ce serait pour elle. T'as bien menti. Elle de loin, mon pardon, la mère. C'est toi qui en as besoin. C'est toi qui as besoin que le petit roman se passe comme t'as décidé. Puis si on marche pas dans tes plans, ben, à l'hôpital, va te faire soigner. C'est pas grave d'envoyer Micheline chez fou pour quelque temps, mais ce serait criminel de mettre maman là. Je suppose que c'est logique, ça. Viens pas me faire chier avec ton pardon pour une fois dans ma vie. Tu m'en veux bien? Qu'est-ce que je t'ai fait? Jacqueline, réveille. Te rends-tu compte que toi t'as fessé sur ta sœur? Comme elle a fessé sur sa mère. Et que c'est aussi sans cœur pour moi que ça l'était pour toi. Te rends-tu compte de ce que tu demandes aux autres? Comment t'as pu penser que je signerais un papier pareil? Ça me dépasse. Tu l'as pas signé non plus, je t'ai pas obligée. Tu peux pas m'obliger. Je suis libre, moi. Libre. Sais-tu ce que ça veut dire? J'ai choisi d'arrêter de souffrir en essayant de fournir un abîme qui a pas de fond. Ça veut pas dire que je souffre plus. Ça veut dire que je peux souffrir moins. Ça veut pas dire que je suis pas capable d'aimer. Ça veut dire que je cours plus après les amours impossibles. Ça manque de dignité. Je m'en crisse. L'amour souffrant puis torturant, ça a un petit côté dégradant aussi. J'appellerai jamais mes enfants Julie puis Jean parce que j'en aurai jamais. J'en ai un enfant. Rien qu'un. Puis c'est Micheline. Je l'ai adopté le jour où c'est moi qui ai choisi un nom. Parce que notre mère avait plus d'inspiration. Je l'aime. Et je veux pas qu'elle souffre. Puis si c'est moi qui a trop souffrante, ben je vais me tasser. Ça sera pas le prix que ça me coûte. Parce que je veux pas qu'elle pense qu'elle me doit quelque chose parce que je l'aime. C'est ça, être libre. Arrêter de faire payer les autres parce qu'on leur fait l'honneur de les aimer. Tu trouves que j'aime pas assez maman? Ben moi, je trouve que tu l'aimes trop. Pourquoi tu m'haïs? Juste parce que je l'aime? Mais non. Parce que tu veux pas que j'existe comme j'existe. Je peux pas aimer quelqu'un qui veut pas que je sois ce que je suis. T'es encore en train de me dire que je suis comme maman.
Avec moi, oui. Peut-être pas avec tes enfants. J'espère que nombreux autres. Je fais payer personne, puis j'empêche personne de vivre. Surtout pas mes enfants. Ce serait plutôt eux autres. Tu, Jacqueline, c'est ça que j'aime pas. T'aimes mieux être victime que vivant. T'aimes mieux être la pauvre qui paye. On choisit pas toujours. J'ai encore une belle phrase de victime. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Ce que tu penses. Si tu disais ce que tu penses, tu finirais par te rendre compte que t'es bien contente que tes enfants puis ton mari soient injustes avec toi, t'exploitent puis abusent. Parce que ça te permet de te mettre du bord de l'injustement traité, de celle qui en a gros à pardonner. Micheline? Tu parles d'un tas, toi. Puis, l'as-tu trouvé? Es-tu correct? Non, j'ai pas réussi à la trouver. Oh, je suis gelée là, je prendrais bien un cognac. On devrait peut-être appeler la police. Oui, c'est fait, je suis allée. Il commence à me connaître. Quand c'est pas le moment qu'il part prendre une marche à l'aventure, ça sera amnésique. On se prend une belle gang. On est une belle gang. Je devrais peut-être continuer à chercher. On voit rien, non. J'ai pas eu de téléphone. Il est 4 heures du matin. Oh, puis je vais y aller. Tu trouveras rien? Elle va revenir d'elle-même. Ça m'étonnerait. Ben voyons, une bonne nouvelle de temps en temps, ça arrive dans les pires familles. Ah, oh, ben, je t'en prie, j'ai déjà subi un procès à soir. Je vais me passer du tien si ça te fait rien. Je monte à maman, là. Tu viendras me chercher s'il y a du nouveau. C'est ça. Monte à maman. On va m'organiser tout seul. Je suis habituée d'abord. Buvez-vous seul. Ah oui. Des fois. Des petites fois. Quand mon mari n'est pas là. Quand tu travailles pas, puis qu'il n'est pas là. Quand je suis plus là tellement qu'il n'est pas là, des fois, même. Ça peut m'arriver. Un buveur solitaire. Un verre solitaire. La date de mon mariage. Le sacrement de solitude qui mène au verre solitaire. Chris, quand tu dis un party fucké. Joanne, es-tu là? Non, il n'y a plus de lumière, je suis plus là, tu vois bien. C'est une panne. Ah ouais? C'est pas maman qui a joué l'infuse? Joanne, franchement, veux-tu prendre le chandelier sur le buffet puis venir m'éclairer un peu? Ça va prendre plus que des chandelles pour t'éclairer. Veux-tu le faire? J'attends, là. Ben oui, oui. Hey, gueule! Qu'est-ce que c'est? Je le sais pas, Benoît. Les as-tu? T'es bien fatigante. Prends sur toi les chandelles avec ta maudite manie de cacher les allumettes. C'est à cause de ma mère. C'est dangereux pour le feu. Eh bien oui, tout est dangereux avec maman. Regarde en dessous des nappes dans le buffet. J'en ai caché, là. Les as-tu? Quand je vais les avoir, tu vas voir. Je suppose que t'en veux. Fais attention à mon mal, non? Il n'a pas touché à ça, c'est caca. Franchement, elle est couchée, là.
J'ai réussi à l'amener dans son lit. Je vais rester près d'elle. C'est ça, faisons ça. Y a rien de neuf? Ouais. Une panne d'électricité. J'ai ça quand tu parles demain. Arrête de boire, là! Va t'occuper de l'autre, puis laisse-moi tranquille. Tu un cognac, Michou? Mon père. Mon vrai père était pianiste. Pas un grand, je pense. Un petit pianiste qui donnait des cours à des femmes désœuvrées, qui cherchaient l'aventure dans la musique. Dans la musique, puis dans le professeur de piano. As-tu suivi des cours de piano, toi? Non. Pas moi. Au début, maman m'emmenait, j'étais bébé. Puis après, c'était Judith. Je me souviens très bien du jour où maman a décidé que le piano pour elle, c'était fini. Pourtant, j'avais seulement 4 ans. Elle m'avait envoyé jouer dehors dans la petite cour. J'écoutais, bien sûr, j'ai toujours écouté. Maman disait que son mari était malade, très malade. Qu'il fallait qu'elle le soigne et qu'en conséquence, c'est ce qu'elle a dit, je m'en souviens, en conséquence, elle devrait cesser le piano. Maman était très ferme. Je me suis approchée de la fenêtre. Maman était tellement belle, debout, avec ses gants, son chapeau à voilettes, son rouge à lèvres. Ses yeux brillaient. Je pense qu'elle appréciait beaucoup la scène qu'elle était en train de jouer. Lui pleurait. Elle répétait en lui tapotant le dos. « T'es trop sensible, Lucien. T'es trop sensible. » Puis tout à coup, maman, cette année, elle a parlé de partir. Là, Lucien, le professeur, mon père, a dit qu'il voulait me voir, qu'il avait le droit, que j'étais sa fille, que jamais il supporterait d'être éloigné de moi. Je l'avais toujours su, je pense, même s'il avait jamais été particulièrement gentil avec moi. Et puis là, maman, je sais pas pourquoi elle a dit ça. Probablement pour qu'il arrête, parce qu'il était trop collant. Elle lui dit, c'est correct, je la laisse là. C'est ta fille, profite-en. Je l'ai vue partir. J'ai voulu crier, mais c'était comme dans les cauchemars quand rien sort. Il m'a pris dans ses bras pour m'amener dans la maison. Là, je me suis mis à crier, je hurlais, je le tapais. Je voulais ma mère. Il m'a assis dans la salle de musique. Puis sans s'occuper de moi, il s'est mis à jouer comme un dément. Il a joué, joué, joué. On aurait dit un grand pianiste. J'étais obligée d'arrêter de pleurer, de l'écouter. Il jouait tellement bien, tellement fort. Puis vers la fin, il a joué un mouvement doux,
triste pour mourir, puis il pleurait en joie. Je me suis levée. J'ai mis ma main sur ses mains pour les arrêter parce que c'était trop triste. Ah oui, c'est là que Judith est arrivée. Elle a dit. Maman m'a dit de venir chercher Micheline, que sa leçon était finie pour aujourd'hui. Il a serré ma main fort, fort, puis il l'a laissée. Puis il s'est remis à jouer. La semaine d'après, Judith m'a amené à mon cours, mais lui, il jouait plus. Il me parlait jamais, sauf pour dire encore, c'est pas ça, c'est pas bon, recommence. Je pensais toujours qu'elle allait me parler, me dire qu'il était mon père. Mais non, il me voyait pas. Puis maman, elle, on aurait dit que je l'énervais de plus en plus, qu'elle aurait voulu me tasser dans le coin comme le piano. On n'a jamais été bien patient. Non, c'est vrai. Quand elle tombait malade, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pensé qu'elle se mettait à m'aimer. Elle qui avait jamais rien voulu savoir de moi, elle m'écoutait, elle faisait ce que je voulais. Puis tranquillement, c'est devenu fou. Elle parlait de Lucien. Elle me contait toute l'histoire avec Lucien. Puis elle se trompait, elle savait plus que j'étais sa fille. Tout ce que j'avais oublié, toute mon enfance m'est revenu à mesure qu'elle me parlait de lui. Le jour où j'ai sauté dessus, elle avait arraché toutes les lames d'ivoire sur les notes du piano. Puis elle m'a dit, j'ai bien failli y avorter. Penses-tu que je l'ai eu? Penses-tu qu'elle a passé? Je suis venue comme folle. Je me suis vue dans ses mains tordues comme un petit bout d'ivoire cassé, puis je l'ai tellement haï de pas savoir que c'est à moi qu'elle disait ça. Moi, l'avorton, le restant, la moins que rien. Je voulais la tuer. Je l'aurais tué certain si Jean-Claude n'était pas arrivé. Je l'aurais tué. J'ai jamais bien joué, jamais. Le pianiste est parti quand j'avais 8 ans. Il m'a dit, il va falloir te trouver un autre professeur, ma grande, je déménage. Je suis partie, parce qu'il avait l'air d'attendre ça. Je suis restée en dessous de la galerie à attendre Judith qui devait venir me chercher. Puis je pleurais. Je pleurais en me disant, puis un autre père. Va-tu falloir que je me trouve un autre père? Mais j'avais bien qu'on trouve pas de père. Au moins, je savais ça, puis j'ai pas cherché. J'ai oublié. C'est tout. J'étais pas loin tantôt. J'étais en dessous de la galerie. J'ai gardé l'habitude des dessous de galerie. On trouve la place qu'on peut, hein? Je vais mettre le mien. Il est moins beau, mais c'est le mien. Tu lui diras merci pour l'offre, pour New York. Elle a toujours essayé de me protéger. Elle pouvait rien faire. Dis-y merci. Merci, puis take care. Take care, toi, avec Joanne. Vas-tu être bonne pour take care, toi? Ben oui. On pense toujours que non. Puis oui. On finit par être capable. Bye, Joanne. Veux-tu que je te dise? J'aimais mieux quand tu m'appelais Anne. Bien sûr.
Mais on est toutes les filles à Juliette. Toutes les crises de filles à Juliette. C'est grave, ça. Comme tu vois, notre sœur est honnête. Elle fait dire merci, puis take care. Take care. Take care. Elle savait ce que ça veut dire. Je savais pas que t'avais appris le piano, toi aussi. Je l'ai pas appris. Je sais pas jouer. C'était quand? Oh. J'avais 7 ans. Ça a commencé, j'avais 7 ans. Toi, t'étais trop petite. Comment ça se fait qu'on a jamais su ça? C'était notre secret. C'était notre secret à maman Pierre. C'était la première fois qu'il existait quelque chose entre elle et moi. Je te jure. J'ai commencé à exister pour elle le jour des cours de piano. C'était pas qu'une petite passion. Il m'achetait des livres d'images. Puis il m'installait dans la salle de musique avec un disque de Bach ou Chopin. Quand maman et Micheline, elle avait plus besoin de moi comme à l'Elby. Elle a amené le bébé avec elle. J'ai toujours su que c'était sa fille, lui. C'est fou. Je me suis toujours sentie coupable. Oh, elle. Pas une minute. Puis, quand Micheline a eu 4 ans, ça s'est fini. Maman m'a dit d'aller la chercher. Jamais j'oublierai sa petite face toute barbouillée de larmes à côté du piano. Je sais pas pourquoi il l'avait fait pleurer, mais j'y ai pas pardonné. Elle était toute petite. Les mains pas assez grandes pour faire un accord. Il voyait même pas qu'elle pleurait. Je l'ai regardée, puis j'étais bien contente que maman l'ait lâchée. Elle aurait pu le marier quand papa est mort. Elle voulait rien savoir de lui. Il était pas à sa hauteur. Il y avait personne à sa hauteur. Qu'elle pensait. Bizarre que Jacqueline ait rien vu. Elle voulait rien voir. Maman aurait pu y dire depuis qu'elle est Alzheimer. Même à ça. Jacqueline ferait semblant qu'elle délire. Jacqueline a besoin d'une mère irréprochable. Mais moi, ma mère, j'ai toujours su de quoi était faite. Elle m'a traité en complice quand elle a eu besoin de moi, c'est tout.
plus tard, quand elle a vu que je pardonnais pas certaines choses. Elle s'est mise à me raconter qu'être mariée avec un cardiaque, c'était plate dans un lit. As-tu une idée que j'y ai pas laissé le temps de s'expliquer là-dessus? T'as sacré ton cœur. J'ai attendu que Michel ait 15 ans. J'ai sacré mon cœur. Puis tu as jamais pardonné de pas avoir aimé Micheline? Non. Trompe-toi pas. On n'est jamais aussi généreux qu'on voudrait. J'ai longtemps pensé que c'était ça mon principal reproche. En creusant un peu, je me suis vite aperçue que ce que je prenais pour, c'était d'avoir marché dans sa game. C'était ma stupide, mon imbécile fierté. J'étais fière du secret. Fière comme une tarte. D'être dans l'aventure de maman, puis de l'aider à tromper papa, puis tout le monde. Tu m'avais vu aller à mes cours de piano avec elle. Elle se mettait belle. Elle se sentait bon. J'avais l'impression que c'était un peu pour moi. Une imbécile de 7 ans qui crevait de fierté parce que sa mère l'utilisait. Tu t'en passes pas gros. J'avais rien à voir là-dedans, je me sentais tellement importante. Quand je t'ai née, maman ne pouvait pas la sentir. Il fallait s'en occuper. J'en ai jamais parlé. Jamais. Puis quand j'ai eu 25 ans, maman a essayé de s'excuser. Sa vie n'était pas facile. Les épreuves. On aurait dit qu'elle recommençait le numéro de la complicité. Ça faisait comme si entre nous, on s'entendait là-dessus. Comme si je pouvais être aussi fière qu'à 7 ans, aussi niaiseuse. Ça avait quelque chose de ça, puis d'écœurant. J'ai dit que le numéro du martyr, je m'en passais. Puis je suis partie. Puis là, je m'en vais. Si on se croirait dans une gare, ici. Reste pas ici. Y a pas d'air. Y'en a pas gros chez nous non plus. Pourquoi tu restes? Pour voir Hervé partir. Sauve-toi, puis vite. Pars avant qu'il parte. Ça va te laisser une meilleure impression. Ça va faire du monde sur le train. C'est fait pour ça, les trains. Pas besoin de te dire que je viendrai pas aux funérailles. Jacqueline va avoir de quoi déplorer. Elle aime ça de même. Quand maman va mourir, elle va écraser. Probable. Tu vois, ça a ça de pratique d'avoir fait ses deuils de bonheur. Antoine les a faites. Bye, Joanne. Tape-toi pas trop la tête sur ton mur. Dois en pas, j'ai de quoi me ramollir le cerveau. Ouais, c'est pas ce que je voulais dire. Juliette!
Ta famille s'en va sur le cul! Ta famille respectable, respecte plus rien, Juliette, t'es ici, je vais mourir sans voir le fond de l'assiette, t'es bien chanceuse. Si tu fais leur toi, tu vas réveiller tout le monde. Les morts avec? Oui, les morts, réveillez-vous, gang de cadavres, puants, réveillez-vous! Levez-vous debout, puis n'ayez pas honte de ce que vous êtes! T'es pacté, toi? Toute une découverte que t'as faite là. Te rends-tu compte que t'es médecin? Qu'on peut t'appeler n'importe quand, que tu pourrais commettre une erreur. Puis, parce que je suis la première, pas seule. Rien que toi qui s'imagine qu'elle peut pas faire d'erreur. Joanne, essaye d'être raisonnable. Sais-tu ce que je ferais? Je suis raisonnable. Sais-tu ce que je ferais? Une belle piqûre au fantôme qui a de l'eau de bord. Un paquet de petites pilules pour moi, puis une bombe dans cette maison-là. Mais comme je suis pas raisonnable, je la laisse crever à petit feu, puis je m'écrase à petit coup. I'll drink to that. Joanne, je vais être franche avec toi. Si tu parles encore une seule fois d'aider maman à mourir, je te dénonce. Je dis que t'es une alcoolique, puis t'es un danger pour tes malades. Arrête de boire ou bien arrête de pratiquer. La voix de la raison. C'est tout en toi. Toi, t'es pas le genre à oublier. Toi, tes épreuves, tes brandissements, comme une reine. Tu peux me dire quelle épreuve tu traverses? Ben oui. Qu'est-ce que j'ai perdu que j'ai jamais eu? Hein? J'aurais-tu le droit d'avoir perdu quelque chose que j'ai jamais eu? T'es complètement folle. Quoi, une famille, c'est pour être seule? Pourquoi on se souvient de rien puis de personne? Te souviens-tu de ton père, toi? Pourquoi ça fait jamais? Parce que t'es saoule puis c'est tout. OK, Jacqueline, OK. Va voir, maman. Au moins, tes larmes sont respectables. C'est pas des larmes d'ivrogne. Toi, t'as de la classe. Tu vas te tenir comme un petit soldat à côté de ta mère. Puis tu vas garder sa mort comme ça tombe. T'es comme moi, Jacqueline. Tu t'attaches à ce qui meurt, puis pas à ce qui vit. C'est-tu que... Sais-tu qu'Hervé t'admire beaucoup? J'aurais dû me méfier aussi. J'aurais dû trouver ça bizarre. Je pense que j'ai dû le marier parce qu'il me méprisait autant que toi pis ma mère. Mais jamais autant que moi! Hey! As-tu décidé de défaire la maison aujourd'hui? Tu slaques pas, toi. Hein? Où tu vas, là? Les autres sont-tu partis ou bien c'est un mensonge d'ivrogne, ça? Avez-vous retrouvé Mich? Elle est partie, elle dit bonjour. Judith avec, elle dit take care. Ils sont partis ensemble, c'est ça? Ils ont pris le train. Ils ont laissé le maman à mourir en paix. Ils reviendront plus dans le lit. Ils n'ont pas pris l'avion? Comment allait Mich? Très bien. Tout est sous contrôle, Jacqueline. Ton conseil de famille est un franc succès. Fais mon verre. Tu devrais arrêter de boire, Joanne. Tu devrais fermer ta gueule, Jacqueline. Fais donc ce que tu voudras. Jacqueline, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux, tu penses? C'est quoi encore, là? Réponds, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux? Tu m'as réveillé, maman, tais-toi donc. On réveille pas les morts. Ah ouais, réponds, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux? Que t'arrêtes de boire. Non, madame, non. Je veux la vérité. Je vais te faire une petite révision. Mon mari veut divorcer. J'ai pas d'enfant. Une mère Alzheimer, c'est son dernier bout. Deux sœurs exilées qui ont vraiment pas besoin de moi. Une sœur que j'écœure. Une vie professionnelle menacée. Oui, madame. Menacée. Je dois t'avouer que j'ai déjà perdu deux patients puis que c'est pas fini si je continue de boire. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux? Laisse faire, OK? Veux-tu des choix multiples, moi t'aider, je serai pas cheap. Oh, que je meurs, B, que je meurs. Fais pas pitié, Joanne, si c'est ça que tu cherches. Non, c'est pas ça, justement! Dans l'alcool, il y a toujours une heure de vérité. Ben là, c'est là. Ça te fait rien. Non, ça me fait pas rien. Reste là. C'est toi qui restes. Ben, c'est toi qui vas parler avec moi d'attitude. On s'aime pas, c'est pas grave. S'il fallait attendre d'aimer le monde, on se parlerait jamais. C'est mieux quand on saillit. Là, ça sort. T'es tanné, là. Hein? T'offres encore un peu. Je cherche une réponse. C'est une petite réponse. Puis je cherche mon cœur. Pourquoi je meurs pas? Pourquoi je m'acharne?
Je vais te faire un aveu, Jacqueline. J'en ai vu du monde mourir, j'en ai vu pas mal. Mais chaque fois, chaque maudite fois, même quand ils ont souffert deux puis trois fois plus qu'un être humain devrait souffrir, ils tiennent le coup. Ils s'ostinent. Ils veulent pas mourir. Il lui reste un corps de souffle, une fraction de poumon. Il reste juste un animal. Un animal qui se bat pour respirer encore, encore un coup, si jamais le dernier. Toutes les agonies sont de même. Même quand il n'y a plus d'espoir, il lutte. Comme si l'animal ne pouvait pas lâcher prise. Comme si cette volonté-là, le désir de vivre, était plus fort que tout. Plus fort que la marde qu'on ramasse dans la vie. D'où ça vient, ça? C'est quoi, cette force-là? Tu me demandes pourquoi t'arrives pas à mourir? J'ai vu des suicidés résister comme des cancéreux. Mais je sais que je peux pas me tuer. Parce qu'il y a un animal dans moi qui lutterait, qui se mettrait à courir pour pas que je meure. C'est pour ça qu'il faut laisser maman vivre sa maladie jusqu'au bout. Je ne toucherai pas à ta mère. Mais c'est ta mère aussi! Si peu. Être ici, ma mère. Ma mère, mon père, mon enfant, tout ce qui me tient debout, c'est juste là. Avec l'envie de vivre, puis l'envie de mourir. Souffrance et plaisir inclus. Il n'y a pas de terre pour enterrer mes morts. Es-tu sûr que je ne me débattrai pas, Jacqueline? Je te jure que je me tuerai. Fini, fini les cris. Que la terre plaît la gueule. Que la terre sous mes morts. Mes maudits morts qui pèsent. Non, descends pas. Tu peux pas me consoler. T'as tes morts, toi, avec. Descends pas, c'est tout. Ça doit être les enfants ou ben non, Jean-Paul. Mais je suis pas là, Hervé. Ça va me laisser une meilleure impression. Hein, Judith? Aïe, maman! Obstinez-vous pas trop à respirer, là. Si ça sert à rien. On étouffe.